Eh bien bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV, le Mac quelque part en Occitanie. Mois de janvier oblige, voici les vœux de Frontignan que je vais vous faire découvrir. Vous allez aussi partager le tout nouveau journal qui s'appelle le JDR, le journal du recrutement de Florent Mention Institute. Et puis nous irons voir un concert, vous allez voir où se mélange piano et violon. Et puis, bien sûr, nous aurons la fameuse recette de Seb. Très bon visionnage et je vous retrouve à la fin du journal. Quelque part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr. Demander d'interrompre vos conversations radicales quelques instants pour nous rejoindre devant cette banderole que nous allons découper pour pouvoir libérer la citation qui est écrite dessous. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien, nous dirigerons vers la scène qui est juste derrière avant de nous retrouver dans le barman pour pouvoir boire peut-être une soupe chaude ensemble plutôt qu'un apéritif parce que, compte tenu de la température, on aura peut-être plus besoin d'une gratine à l'oignon que de biscuits, on verra, on peut peut-être aussi partager. Et au passage, entre ici et puis le barman, et entre ici et l'estrade, eh bien, j'ai vu, vous remettrons à chacune et à chacun un exemplaire de l'œuvre de la Boétie, en l'occurrence le contraint, qui vous pourrez le garder en souvenir de cette journée, mais surtout, il faudra que vous le lisiez, parce que c'est extrêmement intéressant. Si tu pousses, ça va y aller. Yeah, bravo. Bravo. La lecture, on peut dire la lecture. Nous devons entrer dans l'esprit de personne que la nature imite quiconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. C'est bien parce qu'il peut attiser quelques braises, des braises qui sont dans notre esprit, qui ainsi stimulées par cet air vivifiant pourraient devenir de très très belles flammes d'espérance, des flammes de créativité. Et sans aucun doute que dans l'année qui s'ouvre aujourd'hui, on aura beaucoup besoin de tout cela.
Alain Afflelou présente Chin Chin spécial fête. Maman lunette deux paires. Oh, je connais ça. Maman lunette une troisième paire. Oh, vous êtes sûr? Eh oui, Père Noël, vous n'êtes pas le seul à faire des cadeaux. Chin Chin spécial fête, c'est une troisième paire de lunettes en cadeau pour vous ou pour offrir à qui vous voulez. Une troisième paire? Et je prends pour le Père Noël. Il est fou, Afflelou! Dispositif médical CE. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose une recette de feuilleté au camembert avec un soupçon de gingembre. Cette semaine, je vous propose de travailler avec des superbes couteaux de la Coutellerie du Panier à Marseille. Ce sont vraiment des couteaux de superbe qualité, vous pouvez voir, et en plus ils sont magnifiques. Pour commencer, épluchez l'oignon et le coupez en rondelles. Pelez et hachez un morceau de gingembre. Dans une sauteuse, mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez les oignons. Les lardons. Et le gingembre haché. Et faites cuire pendant 5 minutes environ. Mes lardons et mes oignons sont bien cuits. Je vais les poivrer. Et une petite pincée de fleurs de sel. Léger puisque les lardons sont déjà salés. Coupez votre pâte feuilletée en deux. Mettre du mélange lardon-oignon sur un côté. Un bon morceau de camembert. De blanc d'œuf sur les côtés pour faire la soudure. Et replier. Appuyez bien sur les bords pour éviter que le camembert se fasse la malle. Badigeonner avec l'œuf. Enfourner pour 10 minutes de cuisson. Et il ne reste plus qu'à déguster. Cette année, j'ai décidé d'aider le Père Noël. Parce que Chin Chin Spécial Fête, c'est 3 paquets à livrer à chaque fois. Et croyez-moi, ça, c'est du boulot. Ah, vous voilà enfin. Bon, vérifiez bien les étiquettes, ne vous trompez pas de paquet. Allez, on y va. Oh là là, ça commence bien. Mais c'était pas prévu, ça. C'est pas grave, vous l'avez, votre chute, là. Il me rend fou, Staffelelou. Chin Chin Spécial Fête, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Dispositif médical CE. We'll be right back.
à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JDR, le journal du recrutement. Toute l'équipe de Florian Mention Institut se joint à moi pour vous souhaiter une très très bonne année 2019. Et que souhaiter de mieux que pour une entreprise de trouver ses futurs collaborateurs, collaboratrices, ou pour celles et ceux qui sont en attente de trouver un travail par notre intermédiaire. Je vous propose un premier exemple extrêmement concret, celui qui concerne l'entreprise de l'Aveyron qui s'appelle Signia. Nous allons faire la visite guidée avec Loïc qui va nous emmener au sein de l'entreprise pour mieux la connaître et définir les postes qui seront à pourvoir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et pour certains, vous allez le comprendre, il faut avoir du nez. Bonjour Sylvain. Bonjour Loïc. Ravi de venir voir les recrutements et les métiers que tu veux confier au Florian Mention Institut. Eh bien Loïc, bienvenue chez Signia, imprimeur spécialisé dans l'impression en relief. Suis-moi, je vais te montrer nos métiers. Allez, super. On va commencer par le premier atelier, puisque nos métiers au niveau de l'industrie est composé de 3 ateliers de fabrication. Tout d'abord, je souhaite te montrer notre métier, c'est quoi ? Faire des étiquettes adhésives en relief. Tout d'abord, de personnes à la PAO, des programmateurs qui réalisent des bons à tirer et qui s'occupent des machines à découper et des machines à imprimer. Aujourd'hui, les gens qui travaillent sur informatique. Informatique. Et on pourrait, on définit aujourd'hui ces métiers comme infographistes. D'accord. Voilà. Donc ici, on a plusieurs infographistes pour traiter les fichiers et les envoyer en impression et en découpe, comme aujourd'hui pour Chanel. Voilà. Ça, c'est le départ. Donc suis-moi, on va mettre nos blouses puisqu'on va rentrer dans des salles en hygrométrie contrôlée, température et salle blanche. Viens. Donc ici, on est dans un sas où on a plusieurs ateliers de dépôt de résine. Donc on va rentrer dans la dernière machine, la plus grosse machine au monde de dépôt de résine, dernier investissement. Aujourd'hui, ce sont des opérateurs, des programmateurs machines. Programmateurs machines, notre métier n'existe pas parce qu'il est unique. C'est pour ça qu'on fait appel à des gens à vous, pour pouvoir transmettre en fait comment traduire nos métiers innovants et uniques à des métiers existants. Aujourd'hui, on parle de tourneur-fraiseur essentiellement. D'accord. Et donc c'est une machine qui est unique au monde. Hein. Unique au monde. On l'a fabriquée sur mesure. Génial. Et notamment, elle fait le doming olfactif, qui est une innovation mondiale et brevetée par Signia. Bravo. Si tu veux, je te montre ensuite, derrière, les derniers métiers sur la fabrication. Ce sont les métiers de façonneur et de qualité. Ici, ça c'est le petit plus. Les gens qu'on va recruter en tant que tourneur-fraiseur vont d'abord faire un métier finalement innovant, qui est unique. Donc il va y avoir une transversalité avec leur diplôme, leur expérience et notre métier. Et en plus, ils vont avoir la chance de pouvoir travailler dans l'olfatothèque. L'olfatothèque, c'est là où on va travailler les concentrés de nos clients, de Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Hugo Boss, etc. Où on va prototyper. Donc là, c'est génial pour eux parce qu'ils vont toucher à quelque chose dont leur métier n'était pas destiné. Les produits en avant-première. Tout à fait, mais qui va pouvoir être abordable grâce à leur expérience qu'ils ont apprise sur leur machine. Donc l'olfatothèque, c'est innovant, ça a été inventé chez Signia également. Oh. Alors Loïc, viens ici, c'est le façonnage. Alors le façonnage, c'est en fait les métiers de qualité. C'est-à-dire que ce sont les opérateurs qui sont très importants parce que c'est eux qui vont regarder la bonne qualité de nos produits. Donc ici, on va avoir des recrutements sur façonniers, les recrutements de massicotiers, puisqu'on a un massicot, c'est une machine qui permet de couper. Donc voilà, massicotier, façonnier, et c'est le dernier maillon de la chaîne qui fait que c'est eux qui emballent à l'intérieur et donc qui vont donner aux clients vraiment la marchandise finale. Donc ils doivent vraiment être attentifs à ce qu'ils font parce que ce sera les dernières personnes, collaborateurs qui auront vu la marchandise. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la production, c'est où tu as fait le tour des 3 ateliers essentiels à la fabrication de notre métier. Bon.
Donc voilà Loïc, tu as vu les trois métiers principaux qui permettent de réaliser notre savoir-faire dans l'atelier, les infographistes, les programmateurs machines, donc tourneur-fraiseur et massicotier façonnier. Merci Sylvain, ravi de t'accompagner sur ces recrutements avec le Florimonsen Institute. Avec plaisir, tu es le bienvenu. Vous connaissez mieux maintenant l'entreprise qui va recruter. Alors, qui mieux que quelqu'un qui travaille déjà pourrait témoigner de d'abord son travail, de son poste, de l'adéquation de ses capacités, de ses qualités et de son travail avec le poste que quelqu'un qui travaille déjà justement. Eh bien, c'est Caroline qui est prête à recevoir Loïc et qui va nous dire qu'elle y travaille depuis quelques mois. Bonjour Caroline. Bonjour Loïc. Alors ça fait 5 mois que vous êtes arrivée chez Signia. C'est ça. Que exactement. Je vous ai recruté chez Signia. Oui. Comment ça se passe? Très bien, très bien. Un très bon recrutement, un poste qui correspond à ce que j'attendais. D'accord. Et une très bonne intégration, voilà. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, exactement. Super. Ouais. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, quel est votre métier, hein, c'est l'objet de cette rencontre. Alors moi ici je suis assistante de gestion. D'accord. Et je m'occupe de toute la relation commerciale, la relation avec les fournisseurs. J'assiste le dirigeant Sylvain dans ses activités et puis aussi je suis le point d'entrée de tous les contacts extérieurs qu'on peut avoir par la société. On a aussi, ici on est dans la salle de réunion où on présente un petit peu, on reçoit nos clients, on fait nos réunions salariées et on présente tous nos produits, tout ce qu'on est capable de faire au niveau du domaine. Caroline, comment s'est passé votre recrutement avec le Florimonsen Institute? Alors moi, au niveau de mon recrutement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'avoir un interlocuteur face à moi au niveau du cabinet qui connaissait bien l'entreprise que j'allais intégrer et avec qui j'ai pu échanger sur les missions que j'allais effectuer, sur des points très précis, puisqu'il avait beaucoup de connaissances, il connaissait très bien le dirigeant et très bien l'activité de l'entreprise. Donc c'est ce qui a permis aussi de bien m'intégrer sur mon poste et d'arriver avec des connaissances déjà bien déterminées sur les activités et les missions que j'aurais à faire. D'accord, donc c'était important que le consultant sache ce qu'il y avait à faire et du coup votre intégration s'en passe d'autant mieux parce que le poste correspond à ce qu'on vous a dit. Voilà, c'est ça, il y a eu quand même toute une analyse et tout un processus de recrutement qui a fait que par rapport à ma personnalité et à mes connaissances, le recruteur a su déterminer mon aptitude à m'adapter au poste et à réussir mon intégration. Et a priori, c'est bien le cas. Voilà, c'est bien le cas, puisqu'aujourd'hui, je suis très heureuse. Ma collaboration avec le dirigeant et avec tous les salariés se passe très bien. Et je suis très contente des activités, de la localisation de l'entreprise, de tout un tas de choses qui font que ça se passe très bien aujourd'hui et que ça va perdurer. Voilà. Eh bien, on vous souhaite de durer longtemps dans cette entreprise. Merci. Nous allons remercier Loïc et Caroline. Loïc, on va le retrouver dans quelques minutes, mais d'abord, je vous propose de faire la rencontre avec Florian Mentionne, notre expert, qui va nous donner quelques clés pour bien comprendre ce qu'est un recrutement. Attention, idée reçue, s'abstenir. Bonjour. Et je suis ravi de vous retrouver sur La Vie d'Expert. Le recrutement n'est pas un problème de candidat. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas vous bien sûr, le recrutement n'est pas un problème de candidat. Parce que la plupart des employeurs fantasment sur le candidat idéal qui va faire augmenter le chiffre d'affaires, qui va réorganiser l'entreprise, qui va améliorer la comptabilité ou la gestion. Et donc, on va chercher en général un clone, quelqu'un d'identique, un petit peu plus jeune et moins cher, bien évidemment.
Merci Florian Mentionne pour ces bons conseils. On va retrouver Loïc qui nous emmène dans un secteur d'activité dont on soupçonne parfois mal la portée et surtout les moyens que cela nécessite. En termes de matériel bien sûr, mais surtout aussi de savoir-faire et donc de collaborateurs. On recherche du monde pour entretenir les tuyaux. J'ai un bon tuyau pour vous. Enfin, ceux dont nous allons parler sont en dessous de nos pieds. Des dizaines de milliers de kilomètres de tuyaux, c'est ce qu'on appelle le réseau d'assainissement. Et là, écoutez bien, il y a des choses à faire. Bonjour Christophe. Bonjour Loïc. Alors Christophe, expliquez-nous les métiers et les activités de Sarthe Méditerranée. Donc Sarthe Méditerranée, l'agence de Montpellier, représente 80 personnes. Donc notre cœur de métier, c'est l'assainissement, avec tout ce qui est maintenance de réseau, nettoyage de réseau, tout ce qui est pompage de gros ouvrages d'assainissement. Et puis après, chez le particulier aussi, tout ce qui est pompage. Nadine et Dorothée, bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui à Frontignan pour nous jouer de la musique espagnole. Alors, c'est dans le cadre de votre association. Parlez-nous un peu de votre association. Oui, c'est l'association Musique au cœur qui a été créée maintenant il y a une quinzaine d'années et qui a pour but d'apporter la musique aux orphelins un peu de tous les pays. Donc, nous avons démarré par la Roumanie et j'avais donc un camion où j'amenais un piano et j'allais jouer dans les orphelinats. Et puis j'ai fait ça pendant 10 ans et maintenant donc quand on me propose un projet, j'y réponds. Donc le projet actuel, ce pourquoi nous jouons aujourd'hui, c'est pour un orphelinat en Inde, pour la construction d'un orphelinat en Inde. Voilà, donc nous avons déjà fait tourner l'année dernière avec Dorothée un programme de musique de film qui a permis d'acheter le terrain de l'orphelinat. Et maintenant, les travaux démarrent et ce programme-là, nous allons le faire tourner pour payer les travaux. Voilà. «
Dorothée, donc vous n'étiez pas au début de l'aventure? Et non, moi je connais Nadine depuis très longtemps. Il y a quelques mois, elle m'a fait l'honneur de me proposer de la rejoindre dans son projet. J'ai trouvé ça tellement remarquable que j'ai dit un grand oui. Et depuis, je me régale à passer du temps avec elle, monter des programmes. Et puis j'espère pouvoir l'accompagner un jour dans ses voyages, voilà, pour pouvoir poursuivre l'aventure avec elle. Aujourd'hui, c'est la première date 2019, mais il va y en avoir beaucoup d'autres. Oui, j'espère. Alors, nous faisons tourner dans des villages environnants. Ici, à Frontignan, on va essayer aussi de le redonner à l'église de Frontignan, qui nous avait accueillis l'année dernière. Et puis après, c'est aussi chez l'habitant, c'est-à-dire si quelqu'un a un piano chez lui, il peut inviter des amis et nous venons jouer donc pour des petits groupes, 20, 30 personnes, des fois jusqu'à 50 personnes. Et ça fait des petites sommes que nous ramassons et nous envoyons directement pour l'orphelinat. Donc voilà, il faut préciser que nous jouons, nous, gracieusement, tout l'argent va pour les enfants. Et vous êtes combien dans votre association? Vous avez combien d'adhérents? Alors les adhérents, on va dire une quinzaine d'adhérents, mais ceux qui travaillent à l'association, il y a juste secrétaire, trésorière et moi la présidente. Mais c'est surtout un travail musical et là je le fais avec Dorothée, que je remercie, que j'ai embarqué dans mon histoire. Et vous faites un appel au peuple ou ça va, vous êtes bien toutes les deux? Appel, oui, bon, on est ouverte à toutes les propositions. Des danseurs, hein, et des danseuses, voilà, pour alors, nous accompagner dans notre programme de musique espagnole. Ah oui. Alors j'ai contacté l'école de musique Vita Danse. Et pour aujourd'hui, ça n'a pas été possible de réunir les élèves, mais le professeur est tout à fait d'accord sur le projet de venir danser dans un de nos prochains spectacles, enfin concerts. C'est une bonne idée parce qu'on aime bien aussi partager. C'est important le partage. Et le partage des arts. On a d'ailleurs une dame qui est là présente qui nous a peint un tableau. Vous pouvez peut-être faire un zoom sur le tableau pour elle. Elle nous l'a peint exprès pour nous. Et là, nous organisons une loterie pour que ça fasse un peu plus de sous pour les enfants. Et bien voilà, APTV, c'est fini pour cette semaine. Quelque part en Occitanie vous attend vendredi prochain. Salut, bye et portez-vous bien. Ciao. Quelque part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur APTV, bien sûr.